Ça revient vers Perron. Perron vers Turcotte. Turcotte dans la clave. Tiens, de Turcotte, bel arrêt de Despatie là-dessus. C'est revenu plus tard. Ça revient vers Guibois. Et Turcotte qui est en renfort à la ligne bleue. On avait Gill et Filion et on a bourdonné longtemps. On a pris plusieurs bons lancers. De l'autre côté vers Kidney. Kidney avec le disque. Kidney toujours. Patient. Laisse vers Warren. Le tir de Warren. Le tir, le but. Noah Warren. Bon tir du poignet. Le vétéran défenseur de 18 ans des Olympiques ouvre la marque avec un tir précis dans la partie supérieure du filet. Oui, c'est son deuxième but cette saison. Noah Warren, il s'avançait tout. Il va revenir vers Spadafora. Spadafora en tentant de ce qui passe vers son coéquipier. Le tir mais de Chisholm, mais le bel arrêt là, de Thomas Couture. Et c'est Émeric Godette là, qui a mis en échec le joueur des Olympiques. Et ça, ouais. C'est un peu... Non. McDonald dans l'enclave, ça revient à sa voix. Dans l'enclave, à Cormier, le tir, le but! Cole Cormier qui marque sur une rondelle qui a dévié pour se retrouver sur son bâton. Ouais, c'est un mauvais jeu défensif tout de même là-dessus. Là, les Huskies qui ont laissé Cole Cormier seul dans l'enclave. Il était chanceux. Kidney qui intercepte. Kidney va s'échapper. Kidney, le tir, le but! Riley Kidney en désavantage. Un numérique qui s'échappe et déjoue Thomas Couture. C'est 3-0 maintenant. As-tu vu le jeu de Kidney là-dessus alors qu'il y a eu un dégagement des Olympiques qui est à peu près à la hauteur de... 18 minutes 35 secondes. Donc, le but de Kidney. Cournoy dans l'enclave. Passe à Turcotte. Le tir, c'est l'arrêt des Patis. C'est revenu vers Gill. Le tir, c'est bloqué dans l'enclave. C'est Chisholm qui va reprendre. Longue passe de Chisholm. C'est Gendron qui est seul. Gendron. Freine passe à Cormier, le tir, l'arrêt de Couture. Quel arrêt de Couture là-dessus? Les Olympiques sont à 6, ça voit beaucoup de vitesse, contourne la défensive là, des Huskies, tente de remettre dans l'enclave. Et oui, c'est le but. Samuel Savoie. Est-ce que c'est Samuel Savoie ou c'est son coéquipier qui a marqué? Mais c'est un wrap-around là, qui... Non, c'est pas Savoie qui a marqué. Là, c'est le numéro 27 des Olympiques. Ça va revenir vers Zenon. Zenon, dans l'enclave, le tir. Ben, l'arrêt de Despatie, la rondelle se retrouve dans le coin. C'est finalement repris par... L'attaquant de 16 ans. Zenon toujours un autre tir. Nado, il va d'un long dégagement, mais beau jeu de Fontaine pour couper ce dégagement. Passe à Allard, le tir et le but! Quel tir de Tristan Allard! Et voilà le premier but des Huskies. Et Jean-Sébastien a porté malchance à Despatie. Oui, le numéro 12, Tristan Allard avec son... Longue passe vers le Dufresne. Son tir est bloqué. C'est Turcotte qui reprend. Turcotte mise en échec. Turcotte toujours dans le coin. Zenon vient l'aider. Là, il est mis en échec. Il réussit à remettre à Brunel. Beau jeu de Zenon là-dessus. Brunel, le wraparound vers Zenon. Et là, le filet est déplacé là-dessus. Là, Zenon n'en revient pas, Jean-François. Encore une fois de plus, les filets sont déplacés ici à Rouyn-Noranda. Il va falloir trouver un moyen. On va être soudés dans la glace, Jean-François. Ça va revenir à Borush. Borush est patient vers Gill à la ligne bleue. Gill à Borush, le tir. Borush, le but! Daniel Borush qui atteint la cape des 30 buts là-dessus. Un lancer précis dans la partie supérieure du filet. Les Huskies créent du l'écart à 2 buts. Bienvenue dans le club des 30, Daniel. C'est ce qu'on va lui dire. Borush qui marque sur un lancer frappé. Avantage numérique et des Olympiques. Luneau, la pointe, le tir. D'un angle restreint, c'est le but. Alexis Gendron. Non, ça a été dévié, je pense, sur Olivier Nadeau dans le chest. Un but bizarre, là, vraiment, ce sera... En Suisse, à Halifax, c'est Godet à la pointe. Le tir de Godet, oh, qui a bien failli surprendre Despatie. Il y avait beaucoup de circulation, là, et Zenon qui en a aux prises avec Chisholm. Là. Oui, mais là, as-tu remarqué l'ajustement qu'on fait là-dessus? Tu avais Brunel et Turcotte. Pris par Zenon, c'était pour Gill, ça saute par-dessus son bâton. Gill qui se fait soutirer le disque par Kidney, qui s'amène seul devant un filet ouvert, et tire, et le but... Riley Kidney qui fait 6-2, son deuxième du match. Kidney qui Kidney qui est définitivement le meilleur joueur des deux équipes sur la patinoire ce soir, sans